va les gars? Je fais pas trop de bruit, c'est bonheur. On va aller essayer les cale-pieds. Donc pour ça, quelle heure il est là? 5 heures. On va partir à la fraîche. Comme ça, on va essayer les cale-pieds et puis on va aller faire un petit viron. Je filmerai quand on sera plus loin. Enfin, je veux dire, quand on sera à des beaux endroits. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Il fera plus de jour. Ciao, à tout à l'heure. Et c'est incroyable. C'est incroyable le temps qu'on peut perdre avec avec la GoPro. C'est un truc de ouf. Il est 5h15. J'ai perdu un quart d'heure avec ces conneries là de. Et le fil, et le ci, et le là. C'est incroyable. Hein. Bon, enfin bref, c'est pas grave. C'est quoi un quart d'heure dans toute une vie? Bon, j'espère que le micro ça marche. Bon, enfin bref, moi maintenant je me casse. Hein, c'est déjà tout clair. Je vais arriver là-haut où c'est que je veux aller. Ben, le soleil il sera peut-être levé. Bon, en plus vous ne me voyez même pas dans la caméra. Allez, à tout à l'heure. Vous voyez le jour comme il se lève vite. C'est ça, quand on perd de précieuses minutes le matin, et ben, on perd de précieuses images, des précieuses images quoi. Parce que, bon, on arrive à Albertville, là. C'est bien comme ça, hein. Y a pas de monde, c'est nickel. Donc là, on va prendre le centre. Parce qu'après on va prendre la vallée du Beaufortin. On va diriger en direction du Beaufortin, Beaufort quoi. Beaufort, après on va. Vous voyez le ciel en face là-bas comme il a changé? Tout à l'heure il était tout rouge. Le matin il est super rouge. Et après ben, la couleur change. Ouais, je disais donc on va prendre direction le Beaufortin, on va aller jusqu'à Beaufort et puis on va se diriger vers le col de Roseland, enfin le barrage de Roseland, et on prendra une petite variante, on va pas monter directement par la route normale, on va passer par le col des Prés. Quand on est à Beaufort, on prend Arèche. Et Arèche, putain, regarde le rat. Oh la vache. Je savais pas dans quel sens il allait repartir. Et donc Beaufort, Arèche, col des Prés. Et comme ça, on tombera sur le barrage du Roseland, on passera même dessus. Au col là-bas, normalement, j'allais dire un pote. Ouais, finalement, c'est devenu un pote. Parce que moi, comme je pars toujours souvent le matin dans l'école, avant qu'il y ait les vélos, tout bordel et tout, là, les camping-cars et tout le merdier. Et en principe, j'arrive là-haut, quand il déballe, il a une remorque et il vend des sauces, du fromage. Et il fait des bons casse-dalles avec du jambon cru, du fromage. Et... c'est nickel, j'arrive là-haut, je mange mon casse-dalle, je bois mon café parce qu'il a aussi du café. Et je suis encore pas remonté. Là on attaque la vallée du Beaufortin maintenant. Bon voilà, on arrive à Beaufort. C'est 6h30, 31. Voilà, mais ça me fait 1h15 chez moi. Donc nous on va prendre direction Arèche. D'habitude on file tout droit là-bas.
on arrive à Arèche. C'est super beau Arèche, il y a beaucoup de petits chalets. On va regarder là-bas. Comme j'ai la GoPro est sur le guidon là. Vous voyez là-bas en face, mais je sais pas si ça rend bien la GoPro. Je sais pas. Enfin bon, il y a beaucoup de prairies. Vous voyez ce qui est cool là, avec la boîte, je reviens toujours sur la boîte, mais toi tu t'arrêtes, tu réfléchis pas, tu repars, tu... Pff, sérieux, mais c'est de la bombe ce truc, hein. Oh là là. On n'est pas bien là les gars. Sérieux. Moi je me dis toujours, j'ai de la chance de pouvoir habiter un peu comme ça là, au pied des montagnes. C'est quand je vois des endroits qui sont tout plats, il n'y a pas de montagne, il n'y a que dalle. Ouais, là on arrive à la bifurcation. Moi je vais prendre à gauche. Vous voyez, barrage de Saint-Guérin. Vous voyez, barrage de Saint-Guérin ouvert. Et nous on va prendre le col des Prés. C'est interdit aux plus de 6 tonnes ici. Et au camping-car, je crois. C'est comme le col des Prés. Oui, quand on arrive au col des Prés, s'ils viennent du côté par l'autre route, quoi, qui est plus grande, plus large, la route normale, qu'on va dire, ils ont le droit de monter jusqu'au col des Prés. Mais après, arriver au col des Prés, ils ne peuvent pas descendre par là, normalement. Normalement, hein. La route elle est étroite et là il n'y a pas de barrière de sécurité à des endroits. Là si tu descends et tu loupes un virage en haut là-haut, bah, tu te retrouves à Arèche sans passer par la case départ là. Oh putain, mais qu'est-ce qu'on est bien. Ah, je le répète tout le temps, mais... C'est con, hein, qu'on puisse pas filmer, par exemple, avec les yeux, et ça avoir tout du matériel, quoi, tu vois, on aurait directement quelque chose qui relie... nos yeux pour partager avec les autres. Oh la vache. Pourtant je connais les coins là, mais je suis toujours autant j'ai même pas de mots quoi. On en prend plein les mirettes, mais comme c'est bon. Ah, il faut vraiment en profiter, hein. Quand on pense qu'un jour tout ça, ça va s'arrêter. Oh là là là, putain. Bon allez, je garde un peu de la batterie là. J'ai faim. Il est 6h50. Là, je casserai bien la croûte. Je suis parti, j'ai rien pris, j'ai pas pris mon réchaud que dalle. Parce que je n'avais rien préparé hier soir. Ça m'a pris comme une envie de chier ce matin, là, quand je me suis réveillé. Et encore, j'étais réveillé depuis longtemps. Moi, je serais parti... 3h30, je serais parti, 3h30. Enfin... Mais bon, faut rester un peu avec la patronne dans le lit, hein, parce que... Sinon ça va pas le faire, hein, cette affaire là. Ah, je vois que la batterie de la GoPro elle commence à être dans le orange. C'est incroyable ce que ça bouffe comme batterie ça. Je sais pas si on pourrait pas brancher directement sur une prise USB. Parce qu'il doit me monter, j'avais commandé une prise USB chez Honda, ils l'avaient pas reçu
à la révision, normalement ils doivent la monter. Et je vous regarde pas quand je parle parce que bon, il s'agit pas que j'aille au tapis, hein. Oh, ça coupe plus là déjà, ça y est, ça recommence. Ouais, je voulais arriver avant le soleil, avant le lever du soleil. Bah c'est mort, il s'est levé avant moi. D'ailleurs, je vais changer mes verres parce que j'ai les verres jaunes le matin quand je pars. Oh putain, je vois rien. Voilà, on est au col des Prés là. Parce que ça va donner avec le soleil, avec la GoPro. Quand on a le soleil comme ça en pleine gueule. Quand je viens là, je suis un peu toujours nostalgique parce que ça va faire un an, le 11 août. Que j'ai perdu un pote, un bon pote à moi, avec qui on faisait de la moto. Il faisait partie des poteaux avec qui on faisait des belles virées. Et putain, ce con-là à la retraite, il s'achète un vélo électrique et il claque dessus. Oh putain. Voilà, là on est arrivé. Là on est au col des Prés. Là. On va retomber, on va tomber sur le barrage de Roseland. Eh ouais, travailler toute une vie comme ça. Putain. Même pas. Quoi. Même pas 2 mois de retraite. Et il est mort là. Il est mort là-haut, juste en face de nous là. Les randonneurs, ils l'ont retrouvé à côté de son vélo. Mort. C'est dingue ça. Hein. Bon allez, c'est la vie, hein. C'est comme ça. Et puis chaque fois maintenant, ben, quand je roule, des fois je vois un oiseau qui me suit. C'est dingue, c'est incroyable. Des fois je vois un petit oiseau qui me suit en parallèle à moi. Mais vraiment, qui me suit grave. Et chaque fois que ça me fait un truc comme ça, je pense à lui. Je me dis, putain, c'est peut-être lui. C'est peut-être lui qui est avec moi, qui m'accompagne. Mais bon, on ne saura jamais. Hein. Bon, allez, on va fermer la parenthèse parce que ça, c'est trop triste. Bon, là, on descend. On redescend sur le barrage. Mais là, je crois qu'on va rien voir hein, parce que il y a vraiment le soleil. Oui. C'est le lac en bas. Ça brille, mais je sais pas. On verra. On verra. Avec... Ouais. Oui, là. Bon, allez, merde, j'ai dit qu'on n'en parlait plus. Parce qu'en fait là il y a la piste sur ma droite, il y a une piste là aussi, je vous emmènerai un jour. Il y a une piste, bon elle va pas tellement loin, doit faire quoi, je sais pas, 4-5 km. Après ça s'arrête, on n'a plus le droit de continuer. Après c'est le départ des randonnées à pied. C'est beau par là les gars, ça vous plaît? La petite promenade vous plaît? Bon il y en a qui doivent connaître hein, quand même. Hein, dans tous ceux qui regardent mes vidéos, bah déjà ceux qui me suivent, que je connais, quoi, par là. Ça va être long, mais c'est pas grave, je la ferai en plusieurs fois, ou on a un bloc, j'en sais rien, mais ça va mettre du temps aussi à charger. Hop, 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 hop.